Ville.
Bon, déjà de 1, putain, pourquoi je peux pas enregistrer une vidéo normalement comme tout le monde? Et ensuite, ouais, je sais, le titre, vous devez vous poser des questions. Salut les Valjean, ici Kevin Valmar, pour vous servir. Hey, comme d'habitude, hein, bon bah voilà, encore une vidéo information, j'en ai marre, sérieux, de devoir faire des vidéos information. J'ai l'impression que je fais que ça depuis 2 semaines, mais c'est exactement ce qui se passe. Depuis 2 semaines, je fais que des vidéos information, ça me fait vraiment chier. Mais là, c'est une vidéo information très spéciale. Comme le titre le dit, je vais peut-être mettre Star Wars The Old Republic Knights of the Eternal Throne en retard pour améliorer, pour des améliorations graphiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que, voyez-vous, mon père, il a essayé de m'aider pour le passage x64 de mon ordinateur. Il a tout fait pour m'acheter les barrettes qu'il faut pour mon ordinateur, tout ça, etc. Il m'a dit, ok, voilà, prends ça. J'ai dit, merci papa, voilà. Après quoi, on a découvert que ça marchait pas. Donc après, il me donne un coup de téléphone, il me dit, fiston, alors, ça fonctionne ou pas, alors, le x64 avec Windows 10? Et moi, je lui dis, bah non, ça fonctionne pas. Mon processeur, il peut pas fonctionner. Voilà, je peux rien faire, là. Je suis coincé avec mon ancien appareil. Il me fait, ah bon? Ok, attends un peu. Donc une semaine plus tard, là, il me rappelle et il me dit, bon, c'est bon, fiston. Dès le jour de Noël, tu viens chez moi et tu viens récupérer ton nouvel ordinateur. Quoi? Ouais, je t'ai acheté un processeur i7, un tétra de place pour tes vidéos, là. Je t'ai acheté le dernier monstre que j'ai pu trouver sur Fnac. Voilà, me remercie pas. Ah. Merci papa, y a pas de quoi fiston, c'est tout le plaisir est pour moi. Donc voilà, alors vous pouvez vous engueuler avec votre père, vous pouvez avoir des difficultés à discuter avec lui, vous pouvez avoir des soucis avec lui, hein, mais voilà, tant que vous arrivez à le rendre fier que vous soyez son fils, il sera là pour vous, quoi. C'est respecter votre père. C'est voilà, c'est tout ce que je dis. Même si c'est énervant des fois de ça, etc. Soyez toujours à ses côtés, soyez et assurez-vous que vous soyez sa fierté, parce que comme ça, avec cette fierté, que ce sera un grand honneur pour lui que de vous venir en aide, de venir en aide à son fils, voilà, ou à sa fille, hein. Donc voilà, moi mon père est fier de ce que je suis, de ce que je fais. Et il pense que tant que je vis de ce que j'aime, c'est bon, tout va bien. Même si on a eu toujours des difficultés à propos des études, tout ça, etc. Mais il a toujours essayé de me soutenir, donc voilà. Donc, vous respectez vos parents parce qu'après, ils peuvent bien vous le rendre. Quand même, il m'a acheté un ordinateur qui coûte plus de 900 euros. Voilà, il m'a dit que c'était le dernier monstre qu'il avait trouvé qui lui semblait le meilleur. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais j'ai regardé les iCore i7. Punaise, voilà. Et en plus, un tétra de place. Ah ouais, un tétra. Alors. Pour ceux qui ne connaissent rien, disons que c'est environ 1000 gigaoctets ou 10 000, je sais plus. Je sais plus si c'est 1000 ou 10 000 gigaoctets en tout. Mais voilà, pour vous donner une idée de l'engin que mon père est en train de me passer là. Donc voilà, moi qui avais toujours des problèmes de place, là ça va être réglé. Et en plus de ça, avec la machine qu'il m'envoie là, c'est une grosse machine qui devrait bien fonctionner. Donc là, je me demande, est-ce qu'il serait pas mieux d'attendre que j'ai cet engin que mon père m'offre? Pour faire les vidéos Star Wars The Old Republic, parce que comme ça je peux mettre les graphismes en élevé, voire peut-être en ultra. Alors, en ultra je suis pas sûr, mais on pourra toujours essayer. Voilà, juste pour voir. Mais au moins là, on aura une qualité graphique superbe pour les vidéos. Bon, alors évidemment, ça voudra dire attendre un peu le temps que je réinstalle Skype ou Fraps ou des trucs comme ça, hein. Mais ça c'est encore normal, ça encore c'est. Ça va, mais. Mais voilà quoi, c'est. Voilà, et puis surtout que grâce à cette machine. Je pourrais jouer à Dragon Ball Xenoverse 2 normalement. Alors oui, j'ai demandé le remboursement, j'ai acheté God Eater à la place. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai le truc. Je peux plus demander le remboursement. C'est normal. Ok. On est tous d'accord. Donc, il va falloir attendre un petit peu le temps que je trouve l'argent pour réacheter l'édition numérique, édition de luxe numérique de Dragon Ball Xenoverse 2 sur Steam. Mais voilà quoi. C'est waouh. Moi qui avais décidé pour prendre résolution de faire le plus d'économique possible pour avoir un ordinateur, et là mon père m'appelle et il me dit que c'est bon, tu auras ta machine. C'est waouh. Donc voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est soit vous décidez d'être patient, donc on fera que. Alors vous aurez quand même la dernière alerte là que j'ai oublié de faire pour Fallen Empire, hein, avec Rusk. Voilà, donc ça, elle sera envoyée, ça c'est sûr. En plus, elle est très légère, donc je devrais vous l'envoyer plus tôt que prévu.
Et je vous fais des vidéos Risen et Beyond Good and Evil. Et quand je reçois l'ordinateur, que je vais le chercher chez mon père, ça, etc., que je l'installe et que tout est fini, voilà que ensuite je réinstalle en premier Star Wars The Old Republic comme jeu, hein, puisque bon, bah, voilà, ce sera celui qui, je pense, sera le plus simple à réinstaller d'abord. Enfin, plus simple, quand même 40 gigaoctets le machin. Hein. Mais bon, ça va, c'est. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait en fait 34 gigaoctets, 34 gigaoctets le jeu en entier. Donc voilà, et en plus comme la machine sera plus rapide, tout ça, etc., je pense que le téléchargement se fera plus vite. Peut-être, je suis pas sûr, mais peut-être. Mais voilà quoi, j'essaie de vous expliquer qu'en fait là, on va recevoir, je vais recevoir un ordinateur qui là, va nous permettre d'avoir des vidéos Star Wars The Old Republic, Eternal Throne avec une beauté pas possible. Ce qui rendra en plus honneur à notre cher Valoir, ça le rendra encore plus meilleur parce qu'il sera dans des graphismes HD, tout ça, etc. Je pourrais peut-être même vous faire du 60, du HD 60 FPS. Vous vous rendez compte? Si j'arrive à faire ça, avec toute la place que j'aurai, je pourrais facilement vous le faire. Voilà, c'est. Alors ça voudrait dire sûrement que je pourrais faire qu'une vidéo de 60 FPS et qu'il va falloir d'abord que je la monte pour qu'elle soit plus légère à envoyer sur Internet. Mais voilà quoi, c'est. Oh, je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, c'est. Voilà, c'est. On aurait enfin des vidéos Star Wars The Old Republic qui valent le coup. Et peut-être qu'avec ça, j'aurais plus aucun problème. Parce que je pense qu'en fait, du fait que mon processeur est assez vieux, bah justement, le jeu Star Wars The Old Republic n'arrive plus à être aussi lisible sur mon ancien ordinateur. Et là, vu que je vais avoir un nouveau, il va peut-être bien réussir à marcher. Donc je vais pouvoir relancer toutes les histoires, là, vous savez, avec Kelia, la chevalière Jedi, ou Kibo, le guerrier Sith, ou enfin voilà quoi, vous voyez que je puisse retourner sur les planètes de base pour vous refaire tous les modes histoire de chaque personnage avec lesquels j'avais prévu toute une histoire, tout ça, etc. Bon, évidemment, maintenant on va oublier toutes ces histoires de scénario, c'est juste pour Valoir, hein. Mais voilà, c'est comme ça, je pourrais vous faire ces personnages, je pourrais vous faire tout Star Wars The Old Republic, vraiment tout, ça veut dire même ces anciennes extensions, hein, puisque grâce au personnage de Kelia, principalement, qui va s'occuper du côté République, elle va faire toutes les, comment on appelle ça, les extensions. Elle aura l'aide de Valnatina pour le passage sur Ishii, à la limite, mais voilà quoi, c'est. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est. C'est un cadeau du ciel qui nous tombe dans les mains là comme ça, c'est voilà, c'est mon. J'adore mon père. C'est tout, j'adore mon père et ce qu'il m'offre, voilà. Je sais même pas quoi retenir, lui donner en retour. J'ai l'impression de. J'ai un conflit intérieur chez moi qui me dit, mais merde, je devrais pas accepter un tel cadeau, je devrais pas, c'est. Mais voilà, Il y a le fait que je sais que vous voulez avoir des vidéos de qualité, que vous voulez vraiment que je fasse de bonnes vidéos et que surtout on commence à faire enfin les jeux de nouvelle génération, ceux que je n'arrive pas à faire tout simplement parce que mon ordinateur est trop vieux. Et là, on n'en peut plus. J'ai dit évidemment oui que on faisait les anciens jeux comme Empires, tout ça, etc. Mais c'est des vieux jeux et le problème c'est que maintenant ils attirent plus trop le regard. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont nostalgiques d'Empire justement, comme King Agario qui n'arrête pas de chanter là-dessus, mais. Si j'arrive à faire marcher Empires sur ce nouvel ordinateur, ok, je continuerai. Mais si je peux pas, bon, bah, je pourrai plus, voilà, c'est tout. Faudra faire avec, puisque de toute façon, si jamais le cas arrive, je connais un YouTuber qui a fait toutes les campagnes en français. Comme ça, si jamais je peux plus vous faire Empires, je saurai vers qui vous rediriger pour que vous puissiez quand même avoir toutes les campagnes d'Empires. Si ça intéresse certains, je veux bien leur donner le lien au moins de la chaîne du gars. Pour ceux qui sont vraiment très très pressés et qui ne veulent plus attendre que je fasse les campagnes Empires. Voilà. Après, si vous voulez que ce soit vraiment moi qui fasse les campagnes d'Empires, hein, bon bah voilà, merci, je suis très content. Au moins, j'espère qu'on pourra se faire Empires 2, hein. Peut-être même Empires 3, qui sait? Qui sait? Même s'il est très naze, mais quand même, qui sait? Bref. Donc voilà. Donc en plus, ça veut dire que par exemple, j'avais décidé à la base, si vous vous en souvenez, que je voulais faire un film Dragon Ball Xenoverse en entier avec tout un scénario comme quoi nous ne serions pas avec Zello, hein, où je vous referais vraiment toutes les sagas, tout ça, etc. de Xenoverse, premier du nom, avec le personnage de Victoria Valmar, un personnage qui était censé arriver dans un épisode OAV que je n'ai jamais pu faire. Et je voulais mettre Master V, ou Maître Valmar si vous préférez, qui devait lui aussi apparaître dans un épisode OAV qui n'est jamais apparu. Et j'ai voulu réutiliser ces personnages pour recréer, pour vous refaire tout le jeu Xenoverse, mais en les mettant en scène, ça veut dire où il y aurait Victoria qui voyageait dans le temps et qu'elle découvrirait que son grand-père, parce que c'est son grand-père, hein, son grand-père, le grand Maître Valmar, eh ben, a participé aux événements de Dragon Ball Z et de Dragon Ball
Battle of God et 2 GT aussi. Enfin non, pas GT, puisque voilà, mais GT, ce serait avec son père Déodras, voilà, puisque j'écris à l'occasion son père, voilà. Donc, ce faisant, je pourrais vous faire des vidéos de super qualité, super fluide, tout ça, etc. Les machins géniales, voilà, et imaginez en plus que après quoi, qu'il y aura aussi Xenoverse 2, qui avec la même qualité, la qualité élevée, tout ça, etc. Mais ce serait comme si on était sur la PlayStation 4 ou sur la Xbox One, là, en train justement de se faire le jeu, mais sur version PC, évidemment. Donc oui, certains vont me dire, oh, mais c'est pas aussi beau graphiquement que sur les consoles. Oh, mais tais-toi, déjà que je puisse faire le jeu, et en bonne qualité en plus, tu peux être content quand même, merde. Voilà quoi, Donc voilà, pour Star Wars The Old Republic, qui est donc le jeu que vous attendez sûrement sur ma chaîne. Donc, soit vous êtes patient, donc on attend mon nouvel ordinateur, je fais toutes les installations, tout ça, etc. Et je vous fais le jeu dans une qualité aux petits oignons. Soit vous me dites que non, vous êtes trop pressé, que vous voulez vraiment que je les fasse maintenant, que vous en foutez de la qualité. Voilà, je le ferai. Même si chez moi il y aura un certain dégoût, parce que vous savez que le jeu lag. Il y a des lags, ça dérange, ça fait pas super durant l'enregistrement. Je suis obligé de revoir quand il y a une cinématique qui bug. Je suis obligé d'arrêter la cinématique, d'attendre que les FPS remontent, que je relance la cinématique, tout ça, etc. Ça fait que je reprends à plusieurs reprises l'enregistrement et ça me fait chier après au montage parce qu'il faut que je trouve les passages où justement ce sont ceux qui sont bons et ceux qui sont pas bons. Parce que comme vous avez pu le voir là au début de la vidéo là, je vous rappelle que là, à la toute fin de la cinématique de Eternal Throne, il y a eu un bug. Ça a fait que voilà, il y a eu le ralenti. Voilà, on n'a pas eu ce que je voulais, c'est-à-dire le super final de cette vidéo qui a servi de trailer, tout ça, etc. Voilà, je sais pas comment dire ça. Moi, ça me sort par les trous de nez. Voilà, donc, personnellement, je préfère attendre le nouvel ordinateur pour qu'on puisse se faire enfin des jeux de qualité supérieure, s'il vous plaît. Et puis comme ça, des jeux tels que par exemple le Mass Effect 3, ou encore des jeux tels que... Attendez que je retrouve mes mots. Tels que les Assassin's Creed, hein, jusqu'au dernier Assassin's Creed même, bah, je vais pouvoir vous les faire. Alors certes, pour les... Peut-être les derniers, ça va être un peu plus compliqué parce que je sais pas si i7, ça peut le lire. Je crois que si je me souviens bien, i7 c'est le dernier Intel Core qui est sorti. Même si je crois qu'il y a le i9 qui est en cours de fabrication, quelque chose comme ça, ou le i8. Je sais plus, j'ai du mal à suivre à ce niveau-là. Mais voilà quoi. Voilà, voilà, moi je vous propose d'attendre. Et si vous voulez pas attendre, bon bah on n'attendra pas, mais dites-vous que ça va mettre du temps à venir, que je suis sûr que même entre-temps, j'aurai reçu le nouvel ordinateur. C'est pour vous dire à quel point. Voilà, c'est un avis personnel après, hein. C'est moi, voilà, après, vous êtes les gens qui me regardent, vous êtes mes clients littéralement. Alors certes, vous êtes sur mon territoire, c'est moi qui mets les règles, mais c'est grâce un petit peu à vous que la chaîne est vivante, que je reçois des commentaires, tout ça, etc. Donc si certains d'entre vous me disent oui, mais non, on s'en fiche de la qualité, fais-le quand même. Bon ben j'essaierai. J'essaierai, hein. Ça veut pas dire que je vais pouvoir le faire, hein. Je vais essayer, parce que déjà rien que pour la vidéo là justement de la guerre de l'Alliance, la dernière que j'ai ratée, j'ai eu 3 crashs du jeu. 3 crashs. Pour juste faire la mission que me demande Rusk pour l'avoir. Voilà, ça me. Et en plus j'ai eu un quatrième après avoir enregistré la vidéo quand je l'ai terminée au final. Voilà quoi, c'est pour vous dire que. Voilà, là, Star Wars The Old Republic devient vraiment trop, il demande trop de puissance maintenant à mon ordinateur. Si même ce jeu, qui est le jeu avec lequel j'ai commencé ma chaîne, je n'arrive plus à l'enregistrer, ce n'est pas négociable, je suis désolé. Mais voilà, moi, Star Wars The Old Republic, c'est le jeu que j'adore le plus en termes de MMO. C'est le jeu que je vénère, c'est le jeu qui a littéralement fait... A éveillé en moi un amour encore plus grand de Star Wars que ce que je n'avais déjà, puisque là je pouvais carrément créer tous les personnages que je voulais, de n'importe quelle façon, décider comment ils allaient réagir, tout ça, etc. J'avais l'impression vraiment de créer ma propre saga comme le proposait le jeu. Voilà, chacune de ces extensions, je les ai adorées, même si celle de Rise of the Emperor, elle n'était pas top, qu'elle n'était pas, voilà, super longue.
Moi, je m'en foutais. C'était la suite de l'histoire. C'était tout ce que j'attendais. Je ne demandais pas plus. Les chapitres fillers de Fallen Empire étaient pas top, mais pour moi, ils étaient assez bons. C'était comme regarder une série télé. À chaque fois, t'avais un épisode par mois. Voilà, tu regardais l'épisode du jour. Voilà, c'était juste l'héros qui sabote les plans du méchant en attendant de faire la grande bataille finale. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je voyais ces chapitres fillers où il y avait pas grand-chose d'intéressant concernant le scénario du. De Fallen Empire. Voilà, voilà. Et puis surtout, j'ai envie vraiment de vous faire des vidéos de qualité pour cette dernière extension, sachant sûrement qu'il y en aura d'autres, que je vais sûrement vouloir vous faire, que je vais me débattre pour vous les faire le jour J, quand elles seront disponibles entières, tout ça, etc. Bien construites, qu'on puisse avoir quelque chose. Voilà quoi. C'est Star Wars et Old Republic, les mecs. C'est. Voilà. Je vais pas vous retenir plus longtemps que ça, hein, voilà. Donc soit vous me dites non, on veut maintenant, et donc bon ben je vais essayer de trouver la force en moi de le faire. Soit vous me dites non, t'inquiète, on est patient, on peut attendre que que t'aies le nouvel ordinateur, que tu nous fasses des trucs de fou furieux, de malades mentaux pour la suite de tes vidéos. Déjà, de un, je vous remercierai très personnellement. Mais ensuite, je dirai, ok, merci les gars, vous me comprenez, vous comprenez mon amour pour Star Wars, l'univers de Star Wars, qui est bien massacré par Disney. C'est mon avis personnel, mais sérieusement, vous voyez pas qu'il le massacre. Entre les mauvais jeux, les produits dérivés à la masse là, qui sortent avant même les films, quoi, sérieux. Normalement, t'attends que le film soit sorti pour sortir les produits dérivés dessus. Non, tu sors. Là, ils sortent direct les produits dérivés. Disney, je veux bien croire que le rachat de Star Wars vous a coûté bonbon. Mais là, quand même, mec, tu vas pas me dire que t'es en rade là, Disney. T'as vu toutes les licences que t'as autour? Tu nous sors même encore les films d'animation. Je peux pas croire que vous. S'ils me disent. Si l'excuse c'est. Ah oui, mais on manque de fric. Ah ouais? Vous manquez de fric. Avec les Marvel, avec les films d'animation, avec le nouveau Star Wars. Eh ben dis donc, qu'est-ce que ça doit être pour vous de ne plus avoir du tout d'argent? Et qu'est-ce que ça doit être quand vous avez enfin un porte-monnaie normal? Eh ben dis donc, vous êtes gourmands les mecs. Donc voilà, et en plus merde, il y a Rogue One. Je vais aller juste voir Rogue One justement pour affirmer ce que je veux, ce que j'ai dit, c'est-à-dire ce film ne sert à rien. À la limite, on va apprendre des choses sur Riley, l'héroïne du Réveil de la Bouse. Oui, c'est comme ça que j'appelle le film maintenant. Je peux pas l'appeler le Réveil de la Force. Ça, c'est pas le Réveil de la Force. Ça, c'est entrée cheat code de la Force. Voilà. Donc, pour moi, c'est le Réveil de la Bouse qui est en fait juste un reboot du 4. Déjà que George Lucas avait déjà fait un reboot du 4. Et c'était le 6! C'était le 6! Et déjà, les gens avaient un petit peu engueulé. Bon, ils ont pas trop engueulé parce que voilà, il y avait les Ewoks. Donc, bon, bah, on laisse passer. Même si on trouvait que c'était ridicule de voir des petites peluches arriver à tuer des types en armure blanche, suréquipés, tout ça, etc. Voilà quoi, c'est. Mais là, on vous refait le même coup, mais encore pire, avec des références à Donf pour vous dire, eh, regardez, on réutilise la même recette! Et on espère que vous nous donnez notre fric. J'avais tellement d'espoir pour le Réveil de la Force, avec un méchant qui avait l'air d'avoir la classe. Attendez, dès le début du film, il arrêtait des lasers, quoi. Il arrêtait les lasers avec la main. C'était n'importe nawak, mais il y a la Force. Et s'il y a la Force, bon bah tu t'en fous, tu te tais. Il y a une logique scientifique, tout ça, etc. Sûrement, mais on s'en fout. C'est la Force, quoi. Voilà, c'est moi, le début du film me vantait du rêve, mais quand j'ai vu qu'au fur et à mesure c'était juste un reboot du nouvel espoir, là j'ai dit non, non Disney, tu peux pas me faire ça, tu peux pas nous faire ça. Et voici ce que je prédis. Déjà, Rogue One, ça va être de la merde, c'est juste, ah oui, ils doivent récupérer les plans de l'étoile noire. Ouais, comme dans plusieurs jeux vidéo où on a déjà vu comment les rebelles ont récupéré les plans de l'étoile noire. Surtout que ça nous a été déjà raconté. Dans Star Wars Le Nouvel Espoir, si, 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 regardez bien, dans le générique de début, vous savez, quand il y a le texte qui défile avec Star Wars, épisode 4, Le Nouvel Espoir, vous avez le texte qui défile là. Le premier paragraphe. Il vous explique comment ils ont récupéré les plans, bordel de merde. T'as pas besoin de plus! Si un paragraphe nous a suffi, pourquoi il faut que. C'est juste parce que les gens veulent revoir des TBTT et Dark Vador, lol. Non, sérieux. Déjà, Rogue One. Rogue One.
reprendre le nom de l'escadron Rogue. Sûrement l'escadron le plus badass de l'univers Star Wars. L'escadron Rogue des rebelles. Putain, je... Pour ceux qui connaissent pas l'escadron Rogue, ça doit rien vous dire, mais c'est juste l'escadron dans lequel se trouve Luke Skywalker quand il dégomme l'étoile noire. C'est l'escadron qui dégomme l'étoile de la mort. C'est l'escadron qui, dans l'univers étendu, sauve carrément la mise à toute la rébellion après la mort de l'empereur. C'est pour vous dire! Ils ont carrément une série de comics où on découvre l'histoire de chaque pilote de l'escadron. C'est juste les plus badass! Et vous reprenez le nom juste pour nous faire un gros fuck les fans! On va réécrire votre univers favori à notre manière! Mais je. Non, non, je suis désolé. Et puis vous nous dites, oh, il y a Dark Vador! Ouais. Alors Dark Vador, je vous parie que soit il apparaît dans une scène, la scène où justement dans la bande-annonce où il a l'air d'engueuler le type habillé en blanc là pour avoir échoué et qui va dire ouais bon ben je me casse pour aller récupérer les plans, hein, et donc il va pourchasser la princesse Leia. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs que ça se finisse sur l'ouverture de l'épisode 4, c'est-à-dire où la princesse Leia est au-dessus de Tatooine et qu'elle se fait poursuivre par le destroyer stellaire de Dark Vador, ça m'étonnerait pas. Ou soit il apparaîtra dans une scène post-crédit où il apportera des révélations qui arriveront, qui s'expliqueront par rapport au scénario où il y a des trous dans le set, ou voire du 8 qui, je suis sûr, Star Wars 8 avec Disney, je vois au loin l'Empire contre-attaque avec la révélation Je suis ton cousin! C'est. Merde! Je. Voilà quoi, je. Star Wars, quoi, c'est sacré, merde. Enfin, je dis pas non plus que c'est un texte qu'il faut pas toucher. Tu pouvais apporter tes trucs. L'univers étendu de George Lucas, il acceptait pas mal d'idées. Il acceptait pas les idées, par exemple, de voyage dans le temps à partir de la Force, mais il acceptait des idées comme, par exemple, les Cheese. Les Cheese! Avec Tron, le général Tron! Les Cheese ont été créés dans l'univers étendu, ce sont des fans qui ont créé cette race, et après George Lucas a accepté leur existence, et ils sont devenus officiels dans l'univers étendu de Star Wars, c'est pour ça qu'on les retrouve dans beaucoup de choses, c'est pour ça, c'est grâce à des fans qu'on a l'amiral Thrawn, et c'est grâce aux fans qu'on a les Cheese, comme par exemple dans Star Wars The Old Republic, ou dans plein d'autres jeux, ou dans d'autres produits dérivés de Star Wars, Et après, derrière, vous nous dites, on détruit l'univers étendu, mais on ramène l'amiral Thrawn pour la série Rebels. En fait, Disney, tu te contredis tout le temps. C'est ça que j'adore avec Disney en ce moment, c'est qu'ils prennent en fait les grosses licences juste pour dire, ouais, regardez, tout nous appartient, hein, nous sommes les maîtres du monde. Mais on s'en fout totalement de la logique des trucs, on recrée tout, hein. Déjà que Civil War, j'ai fait un gros facepalm, parce que je m'attendais à un truc vraiment génial, quand même. Civil War, les mecs, Civil War. Et c'est en fait une baston dans une cour de récré entre des potes. Disney, je te laisse une dernière chance avec Rogue One. Enfin, non, c'est même pas ça. Je te laisse une chance avec le 8. Parce que Rogue One, je sens bien que ça va être déjà de la merde. C'est juste le truc pour juste le fanservice complet, là, avec les TBTT, Dark Vador, l'étoile noire, tout ça, etc. Bref, on s'en fout. Donc lui, et en plus il va sûrement apporter des révélations sur des trucs manquants sur le set, comme par exemple qui sont les parents de Riley? Oh là là! Des révélations qui vous seront apportées plus tard dans le 8! Voilà, c'est... Voilà, je reprends mon souffle. Donc voilà, je te laisse une chance avec le 8. Rattrape-toi avec le 8. Fais-nous dire que juste ce remake du 4, c'était pour créer ensuite un véritable scénario qui va très très loin. Débarrasse-toi du fan service, tout ça, etc. T'es pas... Disney, je sais que vous voulez absolument que les gens restent avec vous, mais prenez des risques! Prenez des vrais putains de risques! Alors, détruire l'univers étendu, ça c'était un trop gros risque. Ça, c'est juste détruire le rêve des choses incroyables, des bases qui sont devenues essentielles pour l'univers Star Wars. Mais c'est pas grave, c'est... Ok, on va laisser passer, hein. De toute façon, maintenant, vous avez dit que vous le remettez, mais sous version légende. Ça veut dire que c'est pas réel, tout ça, etc. Ok, on va se calmer, hein. On va dire qu'on s'est trouvé un accord. Mais là, s'il te plaît, avec le 8, là, tu te sors les doigts du cul et tu nous crées vraiment le nouveau Star Wars. Parce que, déjà que moi, je gueule sur le fait que vous avez pris quand même un truc à George Lucas qui était la seule chose qui lui restait. C'est...
Maintenant, il est tout seul dans son ranch à faire des petits films pour lui tout seul. Ça me désespère. Je suis sûr que vous avez fourmenté je sais pas trop quoi avec lui pour obtenir la licence pour voilà l'histoire du fric, j'y crois pas. Hein. Je suis sûr qu'ils ont ramené des dossiers que George Lucas il voulait pas que les gens sachent, mais que Disney lui a fait du chantage. Bref, voilà. Donc c'est comment expliquer ça? C'est j'en peux plus moi de ça. Donc Disney, crée-nous vraiment ta vision de Star Wars. Montre-nous ce que tu as envie de nous montrer de Star Wars. Amène-nous des nouvelles choses, des choses kiffantes. Pas juste des références ou des soi-disant clins d'œil qui sont maintenant considérés comme de véritables plagiats quand même. La Starkiller. Déjà, Starkiller, c'est le nom de code d'un personnage de Star Wars, le pouvoir de la Force. Et ensuite, c'est juste une nouvelle étoile noire, mais encore plus grosse. Avec en plus le même problème, quoi, merde. Je veux bien croire que l'Empire avait des problèmes, mais là, c'est le Premier Ordre. Tu nous disais que c'était un truc qui était né sur les cendres de l'Empire. Je pense que quand même, ils auraient appris des erreurs de leurs ancêtres, non? Enfin, de l'Empire, justement, qu'ils ont compris que bon, ben les étoiles noires c'est de la merde, ou alors qu'il fallait réussir à créer un nouveau truc qui empêche donc de la destruction de notre étoile. C'est. Voilà quoi. Pourquoi Disney? Amène-nous dans ce 8-là. Je t'ordonne, Disney, que dans Star Wars 8, tu nous montres vraiment quelque chose de génial avec Star Wars. Montre-nous des nouveautés. Plus que simplement des nouvelles races ou des nouveaux lieux. Ça, on s'en fout. De toute façon, que la plupart des lieux que tu nous avais présentés dans le réveil de la bouse, c'était juste des références à d'anciennes planètes, comme par exemple la planète avec la cantina, référence à Yavin 4. Ah non, attends, ça c'est avec la base de la résistance, qui est en fait la rébellion, mais qu'on ne veut pas dire que c'est la rébellion, parce que sinon les gens verraient trop que c'est juste un plagiat du 4. Donc, en fait, c'est une référence à la planète des Ewoks, donc je sais plus comment elle s'appelle, Andor, voilà. La planète Andorre. Oh, et puis la fille, elle vit sur une planète qui s'appelle Jakku. Mais c'est pas Tatooine, même si ça y ressemble. Sérieux, Disney. Puis surtout, va falloir que tu nous mettes Tatooine. Ah, je m'en fous. C'est la planète qui, à chaque fois, on revoit dans tous les Star Wars. À part dans le 5, mais c'est la planète qui a toujours été, qui est toujours là. Vous pouvez vérifier, hein. Dans le premier, on a un passage sur Tatooine, même on a une course de pod, la course de pod. Dans Star Wars 2, on retourne encore une fois sur Tatooine parce que Anakin a fait un mauvais rêve. Oui, quand tu fais un mauvais rêve, tu retournes là où tu as vécu. Je trouve ça aussi étrange, mais bon, voilà, c'est une raison comme une autre d'y aller, et puis c'est une autre raison comme une autre de le faire sombrer dans le côté obscur, hein. Voilà, il fallait bien qu'à un moment donné, on trouve une raison pour qu'il devienne Dark Vador. Ensuite, épisode 3, on va sur Tatooine, cette fois-ci pour Obi-Wan qui amène Luke au demi-frère d'Anakin. Dans le 4, bon bah il y a carrément. Il y a un quart du film qui se passe sur Tatooine, hein, je pense que là on peut pas le rater. 5, bon bah pas de Tatooine, dommage. Et 6, on y retourne pour aller récupérer Han Solo et dégommer la gueule de Jabba the Hutt. C'est. Voilà, et là tu nous amènes Jakku? Non, ce qui aurait vraiment fait plaisir aux gens, c'est que tu nous remets Tatooine dès le début. Autant y aller franco avec tes références, plus que simplement, hé, hey, regardez, on est sur une planète qui ressemble à Tatooine, mais qui n'est pas Tatooine. Non, t'aurais dû dire, on est de nouveau sur Tatooine. Le premier film de notre version de Star Wars commence sur LA planète de Star Wars. Sur Tatooine, ma gueule. La putain de Tatooine, on y retourne. C'est. Voilà. Donc, le 8. Tu me mets Tatooine. Même si c'est à la fin du film que tu nous dis, ouais, on va juste voir, je sais pas moi, Riley qui va s'entraîner auprès de Luke ou de je ne sais pas trop qui, pour apprendre encore plus sur la force, tout ça, etc. Que Tatooine, c'est devenu un lieu de méditation pour les Jedi ou je sais pas quoi. Donne-moi une explication n'importe laquelle, mais amène-moi Tatooine. Jakku, j'en veux pas de ça. Je veux Tatooine. Voilà, c'est. C'est essentiel qu'on retourne sur Tatooine. C'est LA planète Star Wars. Ou alors, si tu veux vraiment nous le garder pour la fin, garde-la pour le neuf, mais il faudra que tu la fasses réapparaître, cette planète. Parce que si tu nous mets pas du Tatooine, alors là, je te jure que je vais chez vous et je brûle vos locaux. Ah non, mais je suis sérieux, là. Je suis vraiment sérieux. Donc voilà, ça me. Voilà. Je suis vraiment en colère contre Disney, ça s'entend. Mais j'arrive à rester calme, donc ça va, je vais pas vers le côté obscur. C'est juste que je déchaîne ma haine sur eux.
Mais voilà, c'est vraiment s'il me cherche hein, que je me laisse emporter. Mais sinon, là je me dis, bon, c'est le premier coup, ils se sont ratés, voilà, bon, ils vont nous faire une deuxième fois avec Rogue One. Mais c'est pas grave, allez, allez, on laisse tomber. Hein. C'est juste qu'ils y connaissent rien, ils comprennent rien. C'est pas des véritables fans, parce qu'ils disent qu'ils sont fans. Ouais, c'est ça, si t'étais vraiment fan, t'aurais déjà fait tout ce que je t'ai dit là. Hein. Donc voilà, c'est une logique CQFD. Merde quoi, c'est... Voilà, pas touche à l'univers étendu, puisque là il y a trop de règles qui sont trop importantes maintenant pour l'univers Star Wars en général. Hein, d'accord que tu me dis, on met pas l'univers étendu dans les films, mais c'est ce que disait déjà George Lucas. Il dit que pour lui ça s'est arrêté aussi, parce que l'univers étendu c'est juste des choses, des réponses qu'amènent les fans, et que si ces réponses il les trouvait valides, il les acceptait, et donc c'est rentré officiellement dans l'univers étendu de George Lucas. De George Lucas, pas l'univers étendu des fans, de George Lucas. Les Cheese sont devenus un peuple faisant partie de l'univers étendu de George Lucas. Entre autres choses, il y a plein d'autres races et autres trucs qui sont devenus officiels de l'univers étendu de George Lucas. Et vous avez osé le dégommer, soi-disant pour avoir le plus libre champ possible. Mais George Lucas, lui, les romans, tout ça, etc., c'était juste des trucs en plus. Il s'en foutait. Et en plus... Derrière, en plus, vous nous dites, ouais, on veut pas faire plaisir aux fans, nous, on va créer notre version de Star Wars. Ouais, mais on va ramener Tron. Mais je vous rappelle que Tron est juste un élément ultra important dans l'univers étendu. Il amène tellement de trucs, il est tellement présent dans plein d'endroits. Ça veut dire que, je vous le rappelle encore une fois, hein, si l'amiral Tron est officiel, parce que je vous rappelle qu'ils l'ont dit, un Star Wars Rebels là, c'est canon, donc ça fait partie de l'histoire officielle de Star Wars, hein, si Tron est donc un personnage canon, ça veut dire que tout ce qu'il a fait dans l'univers étendu est aussi canon. Dont les événements de Star Wars The Force of Corruption. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans Star Wars Empire at War Force of Corruption est canon. Et tout ce que l'amiral Thrawn, dans lequel il est apparu, est aussi canon. Je suis désolé, les mecs. Et si vous voulez vous contredire, au moins essayez de faire ça de façon subtile. Parce que là, mec, là, des indices comme ça, quoi. C'est limite si vous nous mettez pas une grande banderole avec de la musique, tout ça, etc., en nous disant on vous prend pour des cons. C'est. Voilà, allez, hop, maintenant je me calme. La vidéo fait plus de 30 minutes. C'était pas prévu à la base, mais bon. C'est voilà, c'était en plus du retard de Star Wars The Old Republic. Vous aurez donc ma critique sur Disney et sur Star Wars maintenant. Voilà, c'est bon. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont se rattraper. C'est voilà, c'est là, j'espère que maintenant ils vont vraiment réfléchir. Parce que là, j'ai l'impression que Disney fait juste ça pour le fric, vraiment de façon générale. Parce que George Lucas lui aussi faisait pour le fric. Ok, c'était son boulot. Mais les mecs. Sérieux, George Lucas nous avait apporté un univers qu'il avait construit de A à Z. À la base même, c'était lui qui voulait à la base faire 9 films. Mais après, les gens ont tellement critiqué la prélogie que pourquoi faire 3 autres si c'est pour se faire encore plus critiquer dans la gueule? C'est... Voilà. Surtout que vous le critiquez, surtout depuis... Parce que, attendez, l'autre crétin, là, dans le 1, je sais plus son nom... Bah vous voyez, j'arrive même plus à me souvenir du nom du crétin que tout le monde dit, ah mais il est chiant tout le temps à faire le con, à faire des pets, à faire... Voilà. C'était l'élément comique pour les gosses, c'était la nouvelle prélogie pour la nouvelle génération. Évidemment qu'on te met des trucs pour faire marrer les gosses. Voilà, c'était comme ça qu'on pensait que les gosses s'amusaient dans les années 2000, au début des années 2000. Sérieux, comment vous pouvez pas être ouvert d'esprit? Surtout que la plupart de ces jeunes aujourd'hui disent « Ouais, c'est vrai, il est chiant, tout ça, etc. » Alors que petit, ils l'adoraient comme pas possible, et qu'ils l'adorent toujours, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas le dire. S'il vous plaît, les gars, arrêtez tous d'être de mauvaise foi, quoi. Et puis, vous me dites « Mais il se passe rien dans la prélogie !» Ah ouais, il se passe rien. Découverte d'Anakin. Explication sur les midi-chloriens. Bon. Beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais c'est comme ça, c'est une règle maintenant établie, c'est George Lucas le maître, c'est lui qui connaît quand même comment ça se passe, c'est pas vous, donc vos gueules, s'il dit que les midi-chloriens peuvent être calculés scientifiquement, bon bah voilà, c'est fait, hein, tu la fermes. Dark Maul, le sabre laser à double lame, la course de Pod, l'armée des clones, la bataille dans l'arène de Géonosis, la bataille de Géonosis, le comte Dooku, la perte du bras d'Anakin Skywalker, la bataille de Coruscant, la bataille sur Utapa, la bataille sur... enfin, la bataille. Ce qui se passe sur Mustafar,
le côté obscur d'Anakin qui finit par gagner, là, le visage de l'empereur enfin révélé, tout son complot mis à jour, exécution de tous les séparatistes parce que l'empereur n'en a plus besoin, voir Anakin se transformer en Darth Vader sous nos yeux, j'ai déjà dit sept trucs et je suis sûr que j'en ai encore oublié d'autres, mais merde quoi les mecs. Hein? Et avec ça, vous nous dites... y a rien d'intéressant dans Star Wars la prélogie. Tu l'as vraiment regardé au moins pour dire ça. Surtout qu'à l'époque, quand le premier Star Wars était sorti, c'était pas le succès hyper ouf. Hein. On disait, ah mais ça c'est naze, ah mais ça c'est pas top, ah mais ça faut revoir. C'est voilà, les gens disent, ah c'est bien, c'est intéressant, mais il y a des défauts hein, quand même. C'est pas si bien que ça. Voilà, c'est déjà à l'époque on critiquait les Star Wars, la trilogie originale. Et aujourd'hui, vous dites, ah non, c'est sacré, c'est sacré, c'est sacré! Donc, en fait, ce que vous disiez, disaient vos grands-parents et même vos arrière-grands-parents, c'est donc un sacrilège. C'est. Quand je pense que je suis obligé de faire la leçon à non seulement à Disney, mais aussi aux fans de Star Wars. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être le seul à être assez ouvert d'esprit pour comprendre non seulement la logique de George Lucas, mais aussi pour comprendre comment ça marche dans Star Wars. C'est. J'ai l'impression d'être le seul à avoir la même vision que George Lucas. En plus, c'est de lui que j'ai pris exemple hein, pour créer mes histoires. À la base, moi, je voulais créer des histoires à la Star Wars. Hein. C'était pas Star Wars, évidemment, j'avais créé mon propre univers. Mais c'est. Voilà, je voulais même le battre. Pour vous dire, moi, à l'époque, George Lucas avait créé 6 films. C'était avant qu'Harry Potter n'ait avec les reliques de la mort, tout ça, etc. Donc, moi, avec ces 6 films-là, je me disais, mais bordel de merde, je vais faire mieux que George Lucas. Je vais dépasser mon maître. Je vais aller à 12 films. Parce qu'à la base, je voulais devenir réalisateur. Hein. Je voulais devenir réalisateur de cinéma pour justement suivre les traces de George Lucas. Merde, comment vous pouvez oser dire qu'il fait que de la merde? Ce mec était un putain de génie. Et vous osez critiquer son génie parce que vous n'arrivez pas à le comprendre. Vous ne voulez pas être ouvert d'esprit. Voilà. C'est bon. Sur ce, les Valeurs à plus, portez-vous bien. Je vous dis à suite. Et ciao. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère au calme cette fois-ci. Voilà. C'est voilà. Si vous avez un avis sur Star Wars, hein, même un avis contraire sur ce que je dis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous sommes là pour en discuter. Alors oui, vous voyez que je suis quelqu'un qui m'énerve facilement, mais je l'ai déjà expliqué déjà dans une vidéo où j'ai dit que là, cette fois-ci, je mettais carte sur table. Je suis quelqu'un d'ingérable, je suis quelqu'un qui arrive facilement à s'énerver, et je suis quelqu'un qui est très têtu. Tu n'arriveras jamais à m'enlever de l'esprit de quelque chose. Par exemple, vous me dites, certains de mes potes me disent, ah alors maintenant t'aimes bien Dragon Ball Z, hein, parce que tu regardes un petit peu Dragon Ball Super, et t'as joué à Dragon Ball Xenoverse, et tu veux même jouer aux deux. Non. Je trouve Z toujours aussi naze. Super était naze tout le début. Là, on avait eu tout un arc super génial avec Trunks du futur et Black Goku, que ça c'était génial et super bien travaillé. Là, j'espère que le prochain arc sera aussi bien parce que les épisodes filler, je vous avoue, je vais pas regarder, même si à râler là, un autre personnage du créateur enfin de Toriyama. Parce que moi, je m'en fous de ce qu'il a fait. Hein. Voilà, c'est. Enfin, non, je m'en fous pas évidemment, mais je veux dire, je suis pas aussi intéressé que vous autres. Et voilà quoi, j'aime pas Dragon Ball Z et j'aime pas le début de Dragon Ball Super. J'aime bien Xenoverse parce que tu fous la merde dans l'histoire de Dragon Ball Z, ça c'est juste un cadeau pour moi. Enfin, tu répares, mais quelque part ça fout la merde, donc voilà, pour moi c'est juste génial. C'est comme désacraliser DBZ. D'ailleurs, quand c'était sorti, Xenoverse, à la base, les gens disaient « Oh, quelle horreur! Ils osent toucher à l'histoire de Dragon Ball Z !» Voilà, c'est... Ça me faisait marrer à l'époque, parce que c'est... Je me disais « Putain, pour qu'un tel jeu se fasse haïr par les fans, puis ensuite devenu adoré, c'est que, voilà, ils sont vraiment cons, les fans. » Donc, voilà, c'est... Après, je me suis dit « Bon, bah, je vais y essayer. On n'arrête pas de me dire que ce serait super, que je pourrais réussir à le regarder, à y jouer, ça, etc. » Donc... J'ai regardé une vidéo de Bob Léon, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est génial. Je me suis dit, bon, bah, je vais prévoir Xenoverse. Et bon, voilà, j'ai fait Xenoverse et j'ai bien aimé. J'ai adoré même. J'ai kiffé, j'ai même créé ma propre histoire, une fanfiction dans l'univers Dragon Ball. C'est pour vous dire, le gars qui déteste Dragon Ball et Dragon Ball Z, mais qui adore Dragon Ball GT, et qui aime bien Dragon Ball Super ainsi que Xenoverse, a fait une fanfiction dans l'univers Dragon Ball. Super! Oui, moi aussi, je peux me contredire des fois. Mais voilà quoi, je veux dire, il y a des trucs que j'aime pas dans Dragon Ball.
C'est un fait, c'est dans Dragon Ball Z, ce que je déteste, c'est les bastons qui durent des 10 épisodes juste pour dégommer un mec, et que la plupart du temps, les mecs ne font que se fixer et regardent, se regarder et parlent. Ou pensent, c'est encore pire. Voilà, ça pourrait être direct ce... Heureusement qu'il y a eu Dragon Ball Z Kai, hein. Grâce à Dragon Ball Z Kai, certes, il y en a plein qui disent que c'est de la merde, mais moi, comme ça, j'ai pu bien comprendre le scénar, et cette fois-ci, je voyais les bastons qui allaient plus vite. Merci grand Dieu, moi j'en pouvais plus moi à l'époque des épisodes de Dragon Ball Z. Ça me faisait chier de regarder des mecs se battre pendant 10 épisodes juste pour parler en réalité parce que Toriyama a prévu ça pour le format manga et pas pour le format animé. Donc voilà, c'est à la limite peut-être que je vais aimer le manga, mais je le ferai jamais puisque j'aime pas Dragon Ball Z. Donc voilà. Voilà, je sais même plus pourquoi je parlais de ça. Voilà. Donc, sur ce, les vagins plus portés, voyage de Kevin, ça suit, ciao, ciao. Donc, soyez patient donc pour Star Wars et The Republic, s'il vous plaît. Sinon, bon, ben, je vais essayer de trouver la patience, enfin la force en moi. Voilà, vous avez eu mon avis sur Disney et ce qu'ils font de la licence Star Wars, ainsi que un peu sur Dragon Ball en général. Voilà. Allez, à plus. Là, c'est vraiment trop. Ça va être chiant, vous voyez ça, je sens. Puis surtout le montage, oh là là, le montage, ça va être horrible! Pourquoi je me fais ça moi-même? Allez, à plus.